Il y a plusieurs situations qui peuvent inciter à orienter le salarié vers un psychologue du travail, mais dans tous les cas, c'est une situation de difficulté, voire de souffrance, qui peut être liée par exemple à son besoin de savoir gérer une situation conflictuelle, un besoin de savoir dire non, pas se laisser complètement déborder alors qu'il a déjà trop de travail ou qu'il a saturation. Ça peut être aussi l'aider à prendre conscience de la valeur travail pour lui. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'il attend du travail? Quelle place il est prêt à lui donner? Et quelles limites il est prêt aussi à donner à son activité professionnelle? En ce sens, l'aide des psychologues du travail, pour moi, est fondamentale. Dans les cas d'anxiodépression, pour moi, ça relève plus d'une prise en charge par un psychologue, clinicien, thérapeute ou psychiatre que de solliciter le psychologue du travail dont le temps disponible et la fonction ne sont pas de prendre en charge ces problèmes-là. Donc, sur le psychologue du travail, il faut vraiment recentrer sur l'aspect « je souffre au travail ».